Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour le build que j'ai fait hors live et en live aussi concernant l'école des sorciers qui fait tant polémique et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Donc j'ai vu que Pixia elle-même avait refait l'école des sorciers. Donc j'ai tout simplement pris effectivement le build. Du château fait par Jenna J97 et je l'ai remodelé à ma sauce. Voilà, parce que comme dit Pixia, la raison de ce côté-là, c'est que c'est un terrain super compliqué à builder. Donc, moi, je l'ai fait sur Newcrest, il va falloir que je le pose maintenant dans le monde magique. Mais je tenais quand même à vous le présenter. Puis, vous présenter aussi un petit pack gratuit qui est sorti qui peut aussi vous apporter un petit plus. Au niveau du gameplay sorcier. Alors, je suis pas très douée pour ce qui est comment dire vous savez la caméra là, vous faire rentrer à l'intérieur comme fait Pixia ou les autres, ça je sais pas faire, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc voilà, ça c'est de devant. Donc j'ai rajouté des gargouilles, j'ai rajouté des fantômes, des citrouilles. Les arbres citrouilles qui existent, des bougies, des braseros, etc., etc. Donc ça, c'est le devant. On va essayer de pivoter. J'essaie de vous faire ça bien, mais bon, hein. Moi, les machinimas, c'est pas mon trip. Donc voilà. Alors, je vous cache pas que ça m'a pris 3 jours. Quand je vous parle 3 jours, c'est jour et nuit. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'extérieur. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai mis des petits fantômes. Voilà, j'ai mis des petits poteaux, des machins, des trucs. Essayez de faire en sorte que ça fasse sorcier. Alors c'est là où on va rigoler parce que moi, vous faire rentrer comme ça, là, je ne sais pas faire. Ah, ça se barre dans tous les sens. C'est assez chiant. Faut dire ce qui est. Alors, est-ce qu'il faut baisser les toits? Je ne sais pas. On va voir si c'est ça. On va baisser le mur. On va faire étage par étage. Je pense que c'est comme ça quoi qu'il faut faire. Je sais pas. Pourquoi tu veux pas aller là? T'as décidé de me casser les pieds? Bon, on va faire carrément. Hop, étage du bas. Alors. Donc vous rentrez ici, on va y arriver. Hein. Voilà. Donc ici, il y a une grande statue. J'ai mis une grande statue au centre avec les bougies qui volent. Voilà. Super, mais je serai jamais douée pour les machinimas. Hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Bon, si je vois pas le chat, ça va pas le faire. Pourquoi qui me fait ça? Bon. Ensuite, donc on passe ici. Tout le bas est vraiment au niveau de la magie. Le haut, c'est les dortoirs. Et puis, vous verrez. Donc ici, il y a un grand couloir avec des portraits d'anciens. Bon, j'ai des petites herbes qui dépassent. Bon, ça, c'est pas très gênant pour moi en tout cas. Ici. Donc, tout le couloir avec tout ce qui est portrait des anciens, on va dire. Ici, j'ai mis tout ce qui était peinture. Voilà. Là, on va rentrer dans la salle de classe. Alors, moi, j'ai voulu faire une petite rétorque de ce qu'on peut voir dans Harry Potter, mais j'en suis pas très fan. Hein. Mais bon, voilà. Donc j'ai fait voilà, des bureaux, ici j'ai mis des potions, des grenouilles, des cristaux, des salles de classe. Alors dedans j'ai mis des petits trucs qui appartiennent au petit pack que je vous montrerai après. Donc voilà la salle de classe avec des balais qui, des baguettes qui volent, des balais qui volent, plein de choses qui volent. Voilà. Donc on revient dans le couloir de base. Hop. Super, hein, pour vous faire visiter. Chirelle est très douée.
Alors, par contre, j'ai pas mis au sous-sol celle qui est habituellement. Je l'ai mis ici. Donc voilà, avec son bureau. Et ici, ben, les chaudrons, un ordinateur et les bouquins, les potions qui volent, etc., etc. Ensuite, on va repartir là-bas. Donc là, on a vu, c'est l'entrée qui après, de l'autre côté, bon, il y a les deux escaliers qui montent. Ici, j'ai fait deux espèces de salle de bain WC. Ici, une salle de musique. Là, donc j'ai remis, il y a l'hibou que l'on peut trouver dans le petit pack gratuit que je vous montrerai à la fin, avec les deux petites statues qu'on peut trouver dans le pack gratuit. Donc pareil, hein, j'ai mis les bougies qui... Oh, ben moi, les trucs... Les bougies qui volent, j'ai mis beaucoup la citrouille et le chapeau, hein, parce qu'il n'y avait pas de chapeau tout seul. Et ça donne donc vers l'arrière, où j'ai mis deux petits bancs, voilà. Donc là, ça, c'est vu. Ensuite... Je suis vraiment pas douée pour faire ces trucs-là, moi. Donc j'ai mis quelques porte-manteaux et des cartables, bien que ce soit des adultes qui y soient, mais bon, rien n'empêche les ados d'y aller. Ici, j'ai fait une salle de, on va dire, de jeu. Avec ici, alors il y a des CC à moi, bien sûr. Hein, donc ça, voilà. Ici, donc vous avez là, avec le pack de jeu un nouveau jeu avec un château, un jeu de cartes. Une bannière nouvelle là. Donc j'ai mis l'emblème comme ça. Ici, j'ai fait la salle de celui qui est un petit peu androgyne dans les rouges, puisque lui c'est le rouge. Et ici, donc avec les potions qui volent, toujours pareil, hein, dans le même style, tous. Et là, j'ai mis celui qui nous fait la magie pratique, qui est plus dans le vert. Avec et toujours les fioles qui volent. Et son bureau à lui, ici. Avec des citrouilles, des machins, des trucs. Et ici, donc, on arrive dans ce que j'appelle moi la cuisine. Un petit peu à la, dans le style Harry Potter, avec toutes les chaises, etc. Et voilà, ici le coin pour faire à manger. Voilà. Donc ça, c'est le bas. Donc on va monter à l'étage si j'y arrive. Hein. Va être un autre problème. Alors, à l'étage, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, à l'étage, j'ai cassé le plafond pour qu'on puisse voir le bas. Voilà. Parce que c'est arrivé un moment où je ne savais plus trop quoi mettre, hein, pour être honnête avec vous. Bon, il n'y a pas de toit sur les chiottes. Ça, c'est peut-être, il faudra peut-être que je décale, on verra. Ici, j'ai fait un coin, voilà, avec un bar, des salons, voilà. Ici, j'ai fait tout un coin, on va dire jardinage. Vous savez que je suis pas fan à des fleurs. J'ai remis quand même deux chaudrons. J'ai mis quelques herbes là à planter par les Sims, hein, que ce soit la mienne dans ma partie du Legacy sorcière. Voilà, avec des petites jardinières, hein, des petites fleurs. Hein. J'ai fait un effort. Hein. Je vous ai mis des fleurs et des cailloux. Hein, voilà. Vous savez que j'ai horreur de ça, mais bon, voilà. Ensuite. Ici, je leur ai fait une espèce de salle de sport, voilà, pour qu'ils se détendent, nos élèves. Et ici, j'ai fait ce qui est ben, un espèce de dortoir. Je suis pas très douée pour... voilà. Je fais un côté garçon, un côté... Ah! Au secours! Un côté fille. Voilà. On va passer par le dessus. Hein. Je suis plus douée par le dessus. Ah, ben, j'ai oublié une texture. Hein. Tant bien en face. Voilà, avec un chaudron. Ici, les salles de bain. Voilà, filles et garçons. Blanc et violet pour les filles. Voilà, voilà.
Ça, c'est le côté. Voilà, donc ça, je le poserai moi dans mon monde magique via mon legacy challenge sorcier. Et au-dessus, évidemment, j'ai mis un toit verrière. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, de toute façon, j'ai mis dans ma galerie. Bien que le build, je le répète, à la base, le terrain était beaucoup plus grand. Donc, ce qui fait qu'ici, c'était cassé. Voilà, parce que ben, la personne qui avait fait le build, c'était pour un plus grand terrain. Donc, j'ai rajouté des tours aux quatre côtés et je me suis retapé toute la construction parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient sauté et qui avaient cassé. Voilà. Donc, c'est vrai que Pixel, à ce côté-là, n'a pas tort. C'est vrai que c'est un terrain qui est super dur, c'est un 50 par 40 dans le monde magique, donc c'est le plus grand. Et c'est pas évident, évident de builder ça. Donc je vais passer sur le bureau. Je vais vous montrer donc le petit pack gratos. Hop. Donc c'est celui-ci. Il s'appelle Puffer Id. Et dedans, vous allez pouvoir trouver plein d'objets dans la table que je vous ai montré tout à l'heure, des posters style Harry Potter, des s'il allait moins vite, ça serait bien, des guirlandes, des bouquins, de nouveaux meubles, des nouvelles tenues pour les enfants, des chapeaux. Je peux vous mettre le trailer si vous voulez. Voilà, donc, tous ces objets sont dans le pack. Hein. Ça aussi. Voilà, donc en gros, vous avez vu, il y a beaucoup de nouvelles, il y a des nouvelles coiffures, des nouvelles tenues, des tenues pour les enfants, des tenues pour les bambins. C'est surtout sur le thème de Harry Potter, vous avez des nouvelles affiches, des nouveaux meubles, enfin, il y a vraiment de tout. Donc, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà. J'espère en tout cas que voilà, ça vous aura plu. Je vais le basculer sur YouTube et vous me direz ce que vous en pensez. Je pense aussi me plonger sur le côté. Mais là, sans faire un énorme build, mais au lieu de laisser trois magasins et les autres maisons qu'il y a qui servent à rien, peut-être mettre trois shops supplémentaires. Donc ça ferait deux magasins de cristaux, deux magasins de baguettes et de balais et deux magasins de. Si c'est possible, hein, à voir. Hein, je ne suis pas encore allée voir. Et deux magasins. C'est quoi l'autre? Alors, il y a balais cristaux. Ouais, balais baguettes magiques. Il y a les ingrédients et les cristaux avec les familiers. Voilà. Donc, pourquoi ne pas mettre de l'autre côté les mêmes magasins? Ce qui fait que ça ferait deux stocks différents puisque ça change une fois par jour. Pourquoi pas tester, voir. Je vous dirai ce qu'il en est. De toute façon, j'y reviendrai dessus. Sur ce, on va en rester là. C'était très court, mais je tenais quand même à vous le montrer. Vous m'avez vu bosser dessus en live. Voilà. Donc, mon école est terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous verriez à rajouter. Ça, il n'y a pas de souci. Si l'idée est bonne, je la prendrai, il n'y a pas de problème.
si vous n'aimez pas, ce que vous enlèveriez, ce que vous rajouteriez, enfin voilà. Ou si ça vous convient, comme c'est. En tout cas, c'est dispo dans ma galerie. Je vous rappelle toutefois que le build de base, vraiment de base, le tout premier build, n'est pas du tout moi qui l'ai fait. Je n'ai fait que reconstruire les contours qui ont cassé, puisque comme je vous le disais, le terrain qu'il y a dans le monde magique est beaucoup plus petit que celui qui était fait pour ce build-là. Sur les côtés, c'était cassé. J'ai refait à ma façon, à moi. Donc, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Sur ce, je vous laisse là. C'était un tout petit live très rapide. Et je vous fais plein de bibis. Et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye bye!